Voici l'équipe féminine de rugby amateur de Sahar, une commune des Pyrénées-Atlantiques. Ces jeunes femmes sont venues en Biscaye, en Espagne, pour affronter les filles de l'équipe favorite de Getxo. Zoom sur une rencontre riche en émotions. Allez, montez! Ben à la base, c'est parti de quelques filles qui de Sarre, donc Johanna, et d'autres de Sarre qui regardaient tout le temps les matchs, Mayana aussi, qui regardaient tout le temps les matchs des garçons et qui disaient ben, pourquoi pas nous quoi, pourquoi on est tout le temps là à regarder les matchs des autres et nous au bord. Donc elles se sont motivées à plusieurs filles et du bouche à oreille, de copine à copine, voilà, on a monté cette équipe, voilà. Et du coup, oui, un an, on a commencé il y a un an les entraînements, mais du coup, le championnat, là, depuis septembre. Excellente expérience. Je suis arrivé dans l'équipe à leur tout départ, quasiment un mois après qu'elles aient commencé. Et donc voilà, ça fait déjà un an et demi maintenant. Et voilà, aujourd'hui, on a l'aboutissement un peu de tout ce qui s'est fait pendant un an et demi. Ouais. Allez, vas-y. On très bonne ambiance depuis le début, on est une bonne team, une bonne équipe, alors qu'à la base on se connaît pas forcément, on vient un peu des villages des alentours de Sarre et on s'est très bien entendu et depuis tout roule très bien. Et après on risque de sortir sur Bilbao, ce soir on a décidé de faire une petite sortie entre nous, tout ensemble, ça fait un petit moment. Pour une première expérience, en tout cas en Escuela Liga, l'ambiance est super cool. C'est sûr que sur le match il y a un peu d'agressivité, on se rentre un peu dedans, mais après en troisième mi-temps en général on s'entend plutôt bien. Et paniquez pas, là on gagne le ballon dans le 22, mais on doit prendre le temps. Allez, tout ensemble, allez, les filles. Il faut qu'on garde nos putains de ballons avec nous et après on prend le temps de jouer tout ensemble. Et on sait le faire. Alors que quand on joue bien, on passe, je sais pas, la moitié de la mi-temps dans leur 22. Siempre me ha gustado jugar contra gente francesa porque tiene mucha disciplina, sabes, mucho rigor y son muy fuertes. Se notan los placajes y todo, que son placajes contundentes y la verdad que es otro nivel. ¿Sabes? Al principio había mucha rivalidad entre los dos equipos, no sabíamos si iba a ganar ellas o nosotras. La verdad que han jugado muy bien. Nosotros al final hemos intentado sacar ventaja pues en golpes continuados, jugadas, que al final por el ala hemos podido desbordar, pero ha sido un partido muy guay para jugar. Es un placer jugar contra ellas porque tienen nivel y a nosotras nos ayuda un poco también a crecer, ¿sabes? O sea, tanto como persona como jugadoras. ¡Vamos!
con IAS es el primer año. No está entrando, estaba de seleccionador de Euskadi, lo pasa que este año, como soy de Getxo y es jugador del Getxo, pues me animo a entrenarlas. El ambiente es genial, da gusto jugar con ellas, encima ellas también tienen buen nivel, ya se ha visto que ha sido un partido igualado, los dos equipos han trabajado muy, muy, muy bien y a seguir los dos equipos, que tienen cotas altas los dos. El rugby femenino, diferente la pasión, cómo juegan ellas, la pasión, las ganas, están siempre predispuestas a todo. Es una gozada, la verdad es que te dan muchísimo. Crowd. Quand Getxo était venu à Sarthe, un bon match. Après, Getxo, c'est vraiment l'équipe un peu au-dessus, on va dire, de la série, on va dire. Mais aujourd'hui, on leur a montré qu'on était à leur niveau, franchement, parce que je pense qu'on nous a fait douter jusqu'à la fin et c'est ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, on a vu un vrai match, c'était un bon niveau. C'est hyper intéressant et c'est comme ça qu'elles vont se développer. On perd le match, mais franchement, on est fiers. On a fait un match, on a fait un vrai match de rugby, on s'est donné. Donc, on a rien à regretter. En face, on avait une équipe qui était plus forte, je pense. Mais on a tout donné, donc, fiers d'elle. Prochain match à Irunia, le but maintenant c'est de finir la saison sur une bonne note. Donc on est sûr d'être deuxième et on continue notre marche en avant. Aujourd'hui on a franchi un cap je pense. Donc à peu près l'année prochaine il n'y a rien de mieux. Soutien!